Quand Macky Sall, opposant, écrivait au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Dakar, le 19 février 2012. À Madame Navi Pillay, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous venons par la présente lettre porter à votre attention les violations flagrantes des droits fondamentaux des Sénégalais. Les 30 et 31 janvier dernier, 5 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées par les forces de sécurité à Podor et à Dakar lors de manifestations pacifiques contre la validation par le Conseil constitutionnel de la candidature illégitime d'Abdoulaye Wade. La violence d'État n'a qu'un seul but, muscler le peuple et en particulier la jeunesse face à la volonté du président sortant de briguer illégalement un troisième mandat. En votre qualité de haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, nous vous demandons d'interpeller dans les meilleurs délais l'État du Sénégal pour ses violations du droit à la vie ainsi que du droit inaliénable de tout peuple à s'exprimer librement et à manifester pacifiquement pour le respect de la Constitution et de la démocratie. Je vous prie, Madame le Haut-Commissaire, d'agréer l'expression de ma haute considération. TC. Macky Sall. Ancien Premier ministre du Sénégal. Ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Candidat de la coalition Macky 2012 à l'élection présidentielle du Sénégal. Sénégal Naélère. Sénégal Naélère.